Allez, bonjour tout le monde, bienvenue les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau jeu les amis, ici Train Sim World, le jeu donc de simulation de train, le dernier sorti en date, est certainement un des meilleurs. On se retrouve pour une ligne sur une des plus célèbres lignes de métro au monde, à savoir la Long Island Railroad. Ça se passe bien évidemment dans l'état de New York, sur l'île de Long Island. Hein, rien de... Enfin, sur l'île, c'est relié, mais vous avez compris quoi. Vous connaissez probablement Long Island aux États-Unis. On est parti, on va pas perdre beaucoup plus de temps que ça. Et puis, c'est parti, ça. Du coup, on relie, j'ai pas... Je vous remontre, on relie New York. Peine à Ronkonkoma. Voilà, et on est censé faire une petite ligne de une quarantaine de minutes. Il y aura peut-être probablement une coupure. Déverrouiller. On déverrouille les portes à droite. On va démarrer notre petit train. Enfin, notre métro plutôt. Si je mets pas le freinage maximal, on va pas arriver à charger les freins. Ça y est. Vous voyez en bas la petite jauge, en bas à droite BP qui augmente jusqu'à 90. On l'a aussi ici. Il faut aller jusqu'à 90 bar PSI, je sais pas. Tac, on allume les feux. Ça c'est bon. Les feux de cabine. Tac. On est parti, ça? Non, il faut attendre 14h16 et 20 secondes. On va verrouiller les portes déjà. Je vous montre à quoi ressemble notre petit métro. Caméra, j'ai du mal. Oula. Là, il est là. Numéro 7166. Allez, on attend les 10 petites secondes et on va s'élancer. On part à Jamaïque, hein, une grosse station. Alors, je dis c'est une île, Long Island, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt. C'est compliqué à dire, mais bon, c'est relié en gros que par des ponts et ça fait partie de New York quand même, hein. J'y suis allé personnellement. J'y suis allé quand je suis parti aux États-Unis. C'est quand même très très joli. Y a quand même les choses importantes de New York. Il y a l'aéroport de l'aéroport John Kennedy est en soi sur Long Island. Voilà, après il y a le quartier de Brooklyn, bon, tout ça, c'est si vous connaissez un petit peu New York. Et dès qu'on traverse le pont, on arrive sur Manhattan, tout simplement. On va se stabiliser à 24 km/h. Ce tunnel qui est très très long, on le connaît par cœur. On le fait quand même assez souvent. On va juste fermer cette porte-là. Tac. C'est laquelle la fenêtre qu'il faut ouvrir? C'est celle-là. J'aime mieux la fenêtre ouverte, on entend mieux le train. On descend un petit peu ici et on va se mettre en vue extérieure. Elle est pas facile à gérer la vue. Il est quand même assez long, on peut se mettre sinon. Cette vue là, ah, on peut pas rentrer dans le tunnel par l'extérieur. Super. On voit Manhattan justement au loin. Et de ce côté, peut-être si on monte. Non, on verra pas bien Long Island. On va accélérer parce que maintenant on peut. Donc le prochain emplacement c'est Jamaïque, dans 16 km. J'espère que ce jeu va vous intéresser. Il n'y a pas trop de vidéos en français sur le jeu. Alors c'est vrai que bon, c'est pas le jeu le plus technique, le plus voilà. Il faut quand même être un petit peu rigoureux, mais ça peut se faire sans problème pour tous les publics. Après à regarder, voilà, je sais pas si c'est vraiment ultra passionnant, c'est pour ça que je vais essayer de faire un format de vidéo assez court quand même.
Et pourquoi pas de varier les lignes, parce que là on commence sur la Long Island Railroad, mais on pourra partir en Allemagne ou sur les autres lignes, en Angleterre, sur les autres lignes que propose le jeu. Voilà, c'est les deux, un peu les deux options qui s'offrent à nous. Donc soit partir sur des vidéos de la durée de la ligne complète, et pour le coup ça m'intéresserait moi de faire que la Long Island Railroad, parce que je l'adore ce format de train. Ou sinon on part sur des vidéos un peu plus courtes, mais des vidéos variées avec plusieurs trains. On attend aussi sur ce jeu, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du jeu, on attend l'éditeur, qui va forcément considérablement rallonger la durée de vie. On attend donc l'éditeur qui qui avait été annoncé début 2019. On est maintenant quasiment 2020. On l'a toujours pas, donc on attend. Hein, les développeurs communiquent pas trop trop dessus, même si on sait qu'ils travaillent dessus. Enfin, ils nous disent en tout cas qu'ils travaillent dessus. Reste à savoir quand ils vont nous le pondre, ce putain d'éditeur. Voilà un petit peu, on sort dans pas trop longtemps je crois du tunnel. Ben voilà, on en sort maintenant. Et bien on va se retrouver tout à l'heure en approche de la gare. On va faire un petit accéléré d'ici là. Pour vous parler un peu de cette ligne enfin cette ligne, oui c'est un ensemble de lignes plutôt de Long Island Railroad. Donc c'est un ensemble de lignes qui a été créé, accrochez-vous bien, en 1882. Donc c'est très très vieux. Il y a des métros depuis 1910. Ça appartient à la Metropolitan Transportation Authority. Donc c'est en gros l'entreprise qui gère les transports publics dans l'État de New York. C'est donc un ensemble de lignes qui fait 1100 km, mine de rien, il y a quand même bon nombre de kilomètres de lignes. Il y a donc 11 lignes en tout, et accrochez-vous bien, je vous parlais de Jamaica tout à l'heure, c'est là où on va. Sur les 11 lignes, il y en a 10 qui passent par Jamaïca. Donc il n'y en a qu'une seule qui ne passe pas par Jamaïca. C'est quand même fou. Vous allez voir que c'est de toute façon une incroyablement grande station. Il y a aussi quelques lignes de fret. Donc le fret, pour ceux qui ne savent pas, c'est le transport de marchandises. Donc il y en a 7. Et celle-là, je crois qu'elle part toutes, elles passent toutes par Jamaïca. Et je sais plus si je me suis pas trompé tout à l'heure. Il y a quand même une station directement dans Manhattan. Je crois que j'ai fait l'erreur de dire que tout à l'heure que ça n'arrivait pas à Manhattan. Et en fait, si. Il y a la station Pennsylvania qui est au centre de Manhattan et qui est du coup reliée par cette Long Island Railroad. Et après, ça correspond avec des métros de Manhattan. Voilà un petit peu pour l'histoire de cette ligne. Je vais vous faire quelques petits plans extérieurs du métro. Alors, on peut faire une vue comme ça extérieure. Ça, c'est une autre vue. Mais on peut aussi faire vue libre comme ça. Et ça, c'est sympa pour faire de beaux plans. Le jeu est quand même assez beau. Alors les bâtiments, bon, sont un petit peu carrés, mais le jeu est quand même assez beau. Vous voyez, il y a du détail. Il y a du détail. En tout cas, les chemins et surtout les trains qui sont impressionnants.
impressionnant par le détail, il est magnifique ce train, c'est vraiment magnifique. Alors, il y a une espèce de flou là sur les rails, je sais pas trop ce que c'est. Mais vraiment, je m'en lasse pas de ce train. Et vous le voyez ici, hein, le logo MTA, ici même, avec écrit Long Island Railroad, donc ce que je vous disais. Ah, il est très beau ce jeu, franchement il n'y a rien à lui redire. Et on s'enfonce dans un tunnel. Se remettre ici parce que bientôt il va falloir freiner, on va arriver sur Jamaïca. Déjà là on est sur un 4 voies, ça va encore s'agrandir pour Jamaïca forcément. On va venir commencer à appliquer du frein petit à petit. Pour arriver à Jamaïca. Donc là on a le pointeur ici. On sait que dans 1,8 km on arrive sur notre station d'arrêt. On doit prendre des voyageurs. Et puis on ira jusqu'à Xville. Il y aura environ une vingtaine de minutes de trajet, vous voyez. J'ai pas assez freiné. J'ai pas vu le 48. Il y a un petit 24 juste après. Du mal quand on peut avoir, si vous voulez, la vue qui bouge comme ça, ou en faisant clic droit. Putain, il y a eu un lag là. En faisant clic droit, on peut avoir la souris. Donc, après, il a un peu de mal avec le manche. Il est pas très très précis. Ça descend un peu ici. On a de la descente là d'ailleurs à côté. Là, on voit qu'on arrive dans le quartier de Jamaïca. C'est quand même assez détaillé, les bâtiments. Enfin, il y en a. Il y en a pas mal. Toujours ce beau train. Ah là, qu'est-ce qui est beau. Et là, vous voyez que ça arrive dans un dédale de voies. Regardez ça. Et la station de Jamaïca, donc c'est tout ça. Tout ça. C'est absolument énorme. Tac. On va faire gaffe de ne pas dépasser la vitesse, nous. Surtout que là, ça descend bien. Et là, l'aiguilleur, il peut s'arracher les doigts. Et on va venir s'immobiliser très bientôt, d'abord ralentir à 24 km/h. La DAFRA, c'est pas mal. On peut le désactiver en faisant F1. L'interface, ça va, il ne gêne pas trop, enfin même pas du tout. Alors, des fois, il y a l'impression qu'il y a des petits bugs là, vous voyez, je suis en roue libre. Il n'y a pas d'inclinaison de voie et pourtant, il accélère le train, donc c'est bizarre. m, on va essayer de faire un arrêt assez précis. Arrivé en gare. En fait, on n'a pas l'air d'embarquer beaucoup de voyageurs parce qu'il n'y a personne sur le quai. On va plutôt les débarquer, à mon avis. Voilà, on s'est immobilisé à environ 3 mètres. On va déverrouiller les portes. Alors, on pourrait les déverrouiller par ce panneau là. Mais j'ai eu pas mal de problèmes. Donc je passe maintenant par le menu tabulation. Bon, l'aiguilleur il nous dit toujours ce message. Franchement j'ai jamais eu une seule fois où il m'a dit autre chose que ça. Et du coup voilà, les passagers qui débarquent. Ouais, c'est plutôt un débarquement. Enfin du débarquement que de l'embarquement. Ah, s'il reste du monde dans le train. Ça ira jusqu'à Xville. Et les personnes sont quand même assez pas mal bien faites, je vais y arriver. Wow, 4 minutes, 3 minutes d'attente.
Bah écoutez les amis, on va faire une petite coupure et se retrouver tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous revoilà les amis à la Jamaïca du coup. Alors il s'est passé une heure entre temps, j'ai été manger, etc. Donc nous revoilà à Jamaïca, on est reparti pour la direction de Hicksville. Si tout va bien, ouais, tout va bien. Regardez ce départ de quai, je vais juste surveiller ma vitesse parce que voilà. Les gens en excès, bon, ça va passer à 56 de suite, donc c'est bon. On va pouvoir faire un beau plan là. Ah, il va plus vite que moi le bâtard. Oh, avec l'autre train, c'est un peu... Merde, j'ai arrêté de vitesse, c'est pas grave. Gros excès de vitesse de ma part. Pardonnerai celui-là. Ah, le 129 km/h a été beaucoup plus loin que ce que je pensais en fait. Ah, je vais être à 129 km/h déjà quand ça va y passer. Bon. C'est pas trop trop grave. On a 24 km/h à faire, du coup on va être super en avance. On sera bientôt plus en excès de vitesse, voilà, on est plus en excès de vitesse, super, impeccable les amis, c'est très bon. Alors j'espère que le son est bien, parce que du coup, entre iRacing et Train Team World, je sais pas trop, putain, faut que j'arrête là par contre. Entre iRacing et Train Team World, je sais pas trop si le son est bien géré, parce que bon, iRacing ça gueule pas mal dans les oreilles, ce jeu il fait pas trop trop de bruit, donc... J'ai essayé d'augmenter un peu le son, mais j'espère que c'est pas trop fort et qu'on m'entend bien, justement, qu'il n'y a pas un trop fort bruit. Je verrai ça au montage, de toute façon, si ça va pas, ben, tant pis, la vidéo ne sera pas uploadée, et puis vous ne m'entendrez jamais vous dire ça. Mais bon, on va voir au montage, j'espère que tout va bien. Et puis on se retrouve pour un petit accéléré, probablement quelques plans sympas. Parce que pendant 22 km à regarder comme ça, ça va être long. Allez, à tout à l'heure. On approche de Hicksville les amis pour la fin de ce service, de notre service en tout cas, parce que je pense pas que le train s'arrête là après. Hicksville n'est pas un terminus je crois. En tout cas on va être vigilant parce que là vous le voyez, le signal est au jaune, ce qui veut dire que le prochain peut potentiellement être au rouge. Donc on va être vigilant, de toute façon il va bientôt falloir ralentir notre vitesse pour arriver à 48 km/h. On va déjà commencer à mettre un petit peu de frein. Histoire de faire chauffer tout ça. Pour l'instant on est ouvert toujours au niveau du feu, donc ça c'est bon signe. De ralentir un petit peu. L'arrivée risque d'être longue je pense, parce que 48 km/h à 2,7 km ça va être long.
Je pense qu'il va y avoir du 24. Ah non, ça va. Ah ouais, non, ça va. Ouais, d'accord, c'était juste pour le. C'était juste pour l'aiguillage là. Et puis ça va partir après à 64. Pas, pas un long moment à 64 de toute façon. Puisqu'on sera très proche du quai. Au niveau de la vitesse, on est bon. Et finalement encore accéléré là, on est à 129 hein, vitesse max. Là c'est cool. On profite pour faire un petit point sympa. On s'en lasse pas, moi je me lasse pas en tout cas. N'oubliez pas de laisser un commentaire hein, si vous appréciez la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, des conseils pour les prochaines. C'est toujours bon à prendre. Vous savez qu'il y avait une touche quand j'ai vu cette vue là pour arrêter la caméra là. Hop, je fais quoi là? J'ai pas eu le temps de freiner. Donc c'est bordel. Aïe, ça va être compliqué. 700 mètres, oui, 21, écran principal. Je suis bloqué. C'est où? Non. Oh, je vais dépasser. Je vais passer au rouge. La vidéo tourne mal. Non, c'est bon, ça devrait se terminer. Du coup, j'ai mis le freinage d'urgence. Donc, on fera pas un arrêt très joli. Bon, c'était un peu catastrophique cette fin de. Cette arrivée à Exville. On va déverrouiller les portes. J'espère que tous les passagers, en tout cas, peuvent débarquer. On va aller au fond du train pour le voir. Ah, je crois que. Ouh, c'est limite. Ah, mais c'est bon. La dernière portée à hauteur d'un quai. Ouf, ouais. Je sais pas. Si, ouais, c'est bon. Ça va, on s'est arrêté au minimum syndical. Ouais, il fallait pas. Il fallait pas juste un peu plus tôt. En tout cas, on va reverrouiller les portes et normalement, notre service s'arrête là, on va voir. Ouais, on est bon. Fin de service laborieuse. Avec cet énorme excès de vitesse ici. Mais on prend quand même la médaille d'or pour finir. Donc bah c'était cool les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si ce format vous convient. Et puis on se retrouvera probablement pour une deuxième. Et une troisième, une quatrième. On verra ce que ça donne. Allez, je vous laisse les amis, à très bientôt, ciao ciao.